Alors, commençons avec un jeu typique du domaine. Il faut décider lequel entre les deux est poum 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 et lequel est wa wa wa. D'accord? Alors, qui pense que celui-ci est wa 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 et celui-ci est poum poum poum? Levez la main. Qui pense que celui-ci est poum 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 et celui-ci est wa wa wa? Levez la main. Donc, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, vous avez donné une réponse unanime pour associer poum poum poum, c'est-à-dire un pseudo-mot commençant par une occlusive sourde, aux trois cercles séparés entre eux, et waouh waouh waouh, un pseudo-mot commençant par une approximante labio-velaire, ou vous l'avez associé à la figure d'une onde continue. Là, l'occlusive sourde, d'un point de vue acoustique, de phonétique acoustique, est caractérisée par la présence d'un instant de silence avant l'explosion du P. C'est-à-dire que même si nous ne l'entendons pas, avant le P, il y a un instant dans lequel nos cordes vocales interrompent leurs vibrations et il n'y a pas non plus de bruit de frottement de l'air dans la bouche. Donc, si vous fassiez l'analyse acoustique de poum poum poum, vous auriez quelque chose comme ça. C'est-à-dire silence, peu ou, silence, peu ou, silence, peu ou. Par contre, là, vous avez l'approximante labio-velaire ou, wa, qui, au contraire, est une consonne sonore. Donc, il n'y a jamais d'interruption de la vibration des cordes vocales quand on prononce wa. C'est un pseudo-mot continu. Il n'y a pas de fermeture de la bouche, il n'y a pas de fermeture du flux de l'air. Par conséquent, la structure phonético-acoustique du pseudo-mot, ça ressemblerait plutôt à quelque chose comme ça. D'accord? C'est-à-dire un profil beaucoup plus continu. Et c'est donc cette différence de profil acoustique qui nous inspire de façon très forte l'association avec ces deux types de figures. On devrait faire une mesure, on pourrait faire une mesure statistique de ce résultat, même si nous sommes relativement peu nombreux. Je peux dire que disons, je ne vais pas vous illustrer les techniques statistiques qu'on utilise pour calculer la significativité statistique des résultats comme celui-ci, mais il y a des calculs assez simples à faire qui permettent de calculer combien de probabilités il y a que votre choix unanime en faveur de cette association soit dû au hasard, c'est-à-dire au fait que par hasard, vous tous avez un biais, présenté un biais cognitif qui fait que vous préférez peu pour le cercle et ou pour l'onde. Okay. Je peux vous dire, par expérience que j'ai de ce type de test, que cette probabilité, la probabilité que ce soit dû au hasard, dans ce cas-là, doit être autour de une probabilité sur 10 000 à 100 000. C'est ce qui veut dire qu'il y a très peu de probabilités que ce soit dû au hasard. Considérez que
dans les sciences naturelles, pour accepter un résultat scientifique, il suffit qu'il y ait moins de 5 probabilités sur 100 que soit dû au hasard pour dire que le résultat est statistiquement significatif. Il suffit 5 probabilités sur 100. Là, nous sommes au-dessous de une probabilité sur 10 000 ou 100 000. Je vous donne ça comme ordre de grandeur parce que je n'ai pas fait le calcul, mais si on le faisait, on aboutirait à grosso modo à cet ordre de grandeur. Donc, celui-ci est un exemple typique des expériences, des preuves expérimentales qu'on peut obtenir facilement du symbolisme phonétique. Qu'est-ce qu'on entend donc par symbolisme phonétique? Le symbolisme phonétique, tout d'abord, peut être défini comme tout phénomène de motivation entre en signifiant phonologique et son signifié, son concept ou même l'objet auquel il se réfère. Donc à chaque fois qu'il y a quelques formes de motivation dans ce rapport, comme ici, la structure acoustique du pseudomot est associée à la structure graphique de l'objet. Hein. À chaque fois qu'il y a une motivation de ce rapport, on peut parler de symbolisme phonétique. Le symbolisme phonétique a un statut particulier parce qu'on peut dire que c'est l'un des phénomènes linguistiques les mieux établis du point de vue des sciences naturelles, du point de vue des sciences expérimentales, et en même temps l'un des phénomènes les plus contestés dans le domaine des sciences humaines et sociales. Compte tenu que le statut épistémologique des sciences humaines et sociales est menacé par les progrès des sciences naturelles dans ces dernières années en particulier, notamment par les progrès des neurosciences cognitives qui empiètent sur des domaines qui étaient traditionnellement du ressort exclusif des sciences de l'homme, la psychologie, mais aussi les lettres, et aussi évidemment les sciences du langage. Alors, compte tenu de cette crise de légitimité des bases épistémologiques des sciences humaines et en particulier des sciences du langage, il m'est apparu que s'intéresser à ce sujet, le symbolisme phonétique, ayant ce statut particulier d'être accepté traditionnellement par les sciences de la nature et refusé par les sciences de l'homme, pouvait être intéressant justement pour essayer de repenser les fondations épistémologiques des sciences humaines. Donc, j'ai dit que par symbolisme phonétique, on peut entendre toute forme de motivation entre signifiant et signifié, ou concept ou objet auquel le signifiant se réfère. Ces formes de motivation peuvent être soit basé sur un rapport de similarité, soit basé sur un rapport de proximité ou de contiguïté spatio-temporelle. Elles peuvent être aussi il peut s'agir aussi d'une motivation qu'on peut appeler directe ou indirecte. Par motivation directe, j'entends ce que Jacobson appelle motivation d'image, c'est-à-dire une similarité qu'on peut observer directement dans le mot par rapport à l'objet, ou indirecte, et je me réfère par ce terme à ce que Jacobson entend par diagrammatique, c'est-à-dire une similarité qui ne concerne pas directement le rapport entre le mot et la chose,
ou son concept, mais qui concerne une constellation de rapports entre des mots qui ressemble à une constellation de rapports entre des choses ou entre des concepts. Et on peut avoir aussi un autre paramètre. Il peut s'agir d'une motivation imitative ou synesthésique, pour utiliser les termes de Hinton, ou si vous voulez aussi homogène ou hétérogène, pour utiliser les catégories proposées par Philippe Monneret. Donc, Hinton a proposé ma veste fait des traits bleus. Bon. Donc, faisons quelques exemples. Notamment en nous appuyant sur le classement proposé par Hinton et d'autres. Donc ils proposent de distinguer cinq types de symbolisme phonétique corporel. Imitatif, synesthésique, conventionnel et métalinguistique. Ce classement n'est pas l'idéal de la rigueur d'un point de vue théorique. Il présente on pourrait le perfectionner pour différentes raisons, mais c'est utile parce que ça permet de donner rapidement un aperçu de l'étendue du phénomène. Donc, par symbolisme phonétique corporel, les auteurs entendent un ensemble de phénomènes qui rentreraient, si on prenait l'autre catégorisation la plus connue, celle de Jacobson, Jacobson 1965, il rentrerait dans la catégorie des index, c'est-à-dire des formes indexicales. Parce que dans le corporel, Hinton et d'autres, et ses collègues, mettent par exemple les interjections et l'effet de prosodie. Exemple d'interjection motivée. Par exemple, l'opposition entre miam, miam, et poids. Donc poids s'articule avec une consonne explosive sur les lèvres, donc vers la partie externe de la bouche, tandis que miam miam utilise une nasale, c'est-à-dire une consonne qui mobilise les parties les plus internes, le voile du palais notamment. Et donc entre ces deux-là, nous avons une opposition entre un geste qui pousse vers l'extérieur, poids, et un geste qui plutôt indique le désir de ingurgiter. Ça, c'est un exemple d'interjection, donc de symbolisme phonétique corporel, parce que les interjections manifestent à travers des sons des états internes du corps.
Un autre exemple de symbolisme corporel est donné par les cas de prosodie. Par exemple, si je vous dis je suis très excité, si je vous dis lentement, avec un ton grave, je suis très excité, le ton de ma voix vous manifeste que ce n'est pas vrai, hein, que je suis en train de rigoler ou de dire autre chose, ou en tout cas, le ton de la voix fonctionne comme une image de. Par contre, si je le dis avec un ton aigu et rapide, je suis très excité. Alors c'est vrai. Cela montre qu'une voix grave et lente est une image de non-excitation. Une voix aiguë et rapide est une image d'excitation. Okay. Donc tout cela rentre dans le symbolisme corporel. Ce n'est pas tout, on pourrait ajouter d'autres phénomènes. Par exemple, un autre cas de phonosymbolisme corporel de type indexical. De type indexical parce que ces interjections et l'interjection à la prosodie travaillent comment? Travaillent sur la proximité entre les articulations et le corps qu'elles indiquent. Par exemple, sur miam, miam et poids, le son ne ressemble pas, ne travaille pas par similarité avec sa signification, mais par proximité. C'est-à-dire, j'indique l'intérieur du corps avec miam et l'extérieur avec poids. Un autre exemple est donné, par exemple, par la présence de la consonne nasale n dans le mot nez, ou de la consonne dentale d dans le mot dent, de la consonne qu'on appelait un temps gutturale gue dans le mot gorge. Hein, tous ceux-là sont des exemples de indexicalité autonymique, c'est-à-dire dans lesquels le signifiant indique par ses propres gestes, son propre geste articulatoire la chose qu'il désigne. La pertinence, disons, le fait que cela est répandu dans les langues du monde, ce n'est pas un cas particulier du français, a été démontré par une étude de Urban en 2011, où il a justement montré, comme notamment pour les nasales et en moindre partie pour les dentales et pour les labiales, il y a effectivement, si on analyse l'ensemble des langues du monde, une tendance statistique à utiliser les consonnes nasales pour indiquer le nez, les consonnes labiales pour indiquer les lèvres et les dentales pour indiquer les dents. Une tendance, ça veut dire que ça ne veut pas dire que 100% des langues dans 100% des cas le fait, mais si on fait une statistique, on se rend compte qu'il y a une préférence pour Encore un autre exemple pour conclure. Le mot gargarisme, le mot gargarisme articulé sur g, donc une consonne velaire sonore, qui donc indique le fond de la gorge, une région comprise entre les cordes vocales et l'articulation velaire, c'est-à-dire le fond du palais, avec sa répétition qui est typique des onomatopées et des idiophones, gargare, indique un lieu du corps, et donc de cette manière, le signifiant est lié de façon motivée par proximité à la chose qu'il désigne. La deuxième catégorie est celle du symbolisme phonétique imitatif. En gros, cette catégorie comprend les onomatopées. Les onomatopées, donc le cas de son linguistique utilisé pour imiter par similarité des sons non linguistiques. Ce n'est pas, je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est une onomatopée. Miaou, wouf wouf, tic-tac.
etc. Mais on a aussi des formes, on peut avoir des formes purement sauvages, comme on les appelle, rudes, comme celle-ci, mais on peut avoir des formes plus lexicalisées comme tintement, bombe et d'autres. En fait, si on va chercher les mots d'origine onomatopéique, on trouve qu'il y en a énormément. Selon le TLFI, même le mot mot est d'origine onomatopéique. Quelle est la différence entre les onomatopées et les interjections? Bon, traditionnellement, la différence qu'on fait, c'est entre des formes dans lesquelles les sons linguistiques imitent des sons environnementaux, les onomatopées, et des formes dans lesquelles les sons linguistiques expriment un état interne du corps, les interjections. Donc on fait une opposition de type sémantique. Mais il y a eu des auteurs qui ont proposé des distinctions plus sophistiquées, d'ordre pragmatique, en particulier en soulignant le fait que une interjection dans un discours donne des informations procédurales, c'est-à-dire des informations sur comment nous devons interpréter l'ensemble du discours. Quelle est la posture du locuteur, de celui qui parle, par rapport à ce qu'il dit? C'est ça que nous dit une interjection. Par exemple, elle nous fait comprendre si la personne est en train de rire, si elle est triste ou joyeuse, si elle est sérieuse ou non. Si elle est énervée, elle est en train de nous reprocher quelque chose ou au contraire, elle est bienveillante, etc. Les interjections, la prosodie, etc., nous donnent des informations de cet ordre-là. Donc sur comment interpréter globalement l'acte de parole, comment l'acte de parole s'inscrit dans la situation communicationnelle. Au contraire, l'onomatopée nous donne des informations sur le contenu de l'acte de parole, sur le contenu référentiel de l'acte de parole. C'est-à-dire que je peux, si je dis voilà, cocorico, tic-tac, etc., je nomme quelque chose qui est distinct de moi, je nomme quelque chose qui existe dans la réalité externe au locuteur, je ne donne pas des informations sur mon acte de parole, mais sur ce dont je suis en train de parler. Cette distinction est intéressante parce que, si vous voulez, elle rappelle le rapport entre la deixis, l'interjection, et la référence. Le pronom, si vous voulez, et le nom. Hein, quelque chose qui opère en indiquant par le biais de la présence, est quelque chose qui opère par référence à travers la similarité à quelque chose qui peut être absent. Donc de ce point de vue-là, l'onomatopée se présente un peu comme, justement, si l'interjection semble appartenir à la famille des pronoms, les parties du discours qui opèrent par deixis, par indication, l'onomatopée semble être un peu l'ancêtre des noms, des substantifs, c'est-à-dire grâce à la similarité, grâce au fait que le cri du chat ressemble, que miaou ressemble au cri du chat, miaou je peux l'utiliser même si le chat est absent. Donc je peux construire une forme vocale, miaou, qui rappelle le chat même en son absence, exactement comme le fait un substantif. Et donc faire cette opposition-là entre interjection et onomatopée, c'est intéressant parce que ça permet de distinguer deux grandes modalités de rapport signifiant-signifié qu'on voit ensuite dans le langage et dans les formes dans les formes linguistiques plus apprivoisées, disons moins primitives. Synesthésique, le symbolisme phonétique, le symbolisme synesthésique est le symbolisme phonétique à proprement parler. Donc là, j'ai dit interjection.
Et prosodie. Et prosodie. Onomatopée. Et ici, il y a plusieurs phonèmes. Là, évidemment, ce sont des exemples. Ça n'épuise pas le domaine, mais le phénomène le plus typique est celui des idiophones. Idiophones. Les idiophones qui sont des onomatopées, des super-onomatopées, on peut dire. C'est-à-dire qu'ils partagent certaines propriétés des onomatopées. Par exemple, le fait d'être souvent redoublé, le fait d'être souvent isolé d'un point de vue syntaxique, d'être présenté, par exemple, sous la forme du discours rapporté, mais qui diffèrent des onomatopées parce que, d'une part, ils peuvent utiliser les sons linguistiques pour représenter par similarité non seulement des réalités sonores, mais également des réalités non sonores. Par exemple, des réalités tactiles, des couleurs, des odeurs, des gestes, donc des réalités cinétiques. Et d'autre part, dans les langues qui font un usage large des onomatopées, des idiophones, pardon, les idiophones jouent un rôle beaucoup plus important que les onomatopées dans notre langue. Ils sont beaucoup plus nombreux et ils sont utilisés tout le temps dans le langage oral courant. Des langues idiophones sont par exemple le japonais et le coréen. Le japonais, par exemple, a, suivant les différents dictionnaires, entre 1000 et 3000 idiophones qu'il utilise comme des adverbes ou des adjectifs. Par exemple, pour qualifier les dizaines, les différentes manières de marcher. Il y a des idiophones pour caractériser plusieurs dizaines de manières de marcher. Lente, rapide, lourde, légère, joyeuse, lente, triste, etc. Le phonosymbolisme conventionnel est représenté surtout par les phonestèmes. Les phonestèmes ont été étudiés surtout en anglais, on les connaît depuis l'origine de la grammaire anglaise, depuis 1653, la grammaire de Wallis. Ce sont des groupes consonantiques ou syllabiques qui tendent à assumer des valeurs sémantiques relativement constantes ou relativement semblables dans la langue, sans qu'on puisse dire facilement quelles sont les raisons synesthésiques de ces associations. On a seulement le fait qu'en anglais, certains groupes consonantiques ou syllabiques sont utilisés plus fréquemment que la moyenne pour indiquer certains champs sémantiques. Par exemple, le groupe initial GL est environ dans la moitié du lexique où il apparaît, signifie quelque chose qui est lié à la lumière ou à la vue. Par exemple, dans le verbe glare, qui veut dire briller de façon aveuglante, ou bien glitter,
qui veut dire briller, ou bien glow, un petit lueur, glimmer, un lueur très faible, ou glance, un regard. Donc, on constate qu'en anglais, sur ce glow, il y a une concentration de mots qui veulent dire la lumière, le rayon de lumière ou le regard, ces deux choses-là, avec un taux qui statistiquement est nettement plus important que la moyenne des autres groupes consonantiques. Pareil, on peut avoir aussi un groupe syllabique, par exemple H final, sur lequel se concentrent beaucoup de mots qui veulent dire un impact violent. Par exemple, crash, smash, splash, clash, etc. Dans ces deux cas, ce n'est pas clair exactement pourquoi ce H devrait signifier un impact violent. Enfin, si vous le demandez à un locuteur anglophone, probablement il va vous dire sa théorie. Mais c'est difficile de trouver des facteurs objectifs qui expliquent pourquoi H devrait être un impact violent ou pourquoi GL doit être de la lumière. Donc c'est pour ça qu'on le distingue du synesthésique, parce que est conventionnel dans le sens où nous observons que la langue tend à faire un usage particulièrement poussé de ces sons pour ces significations, mais nous ne savons pas exactement quels sont les mécanismes physiologiques ou physiques qui justifieraient cet implant. Et enfin, il y a la catégorie du métalinguistique, qui ressemble à plusieurs phénomènes. Par exemple, le fait que dans les mots anglais les plus fréquents, on observe une légère tendance des substantifs à préférer les voyelles postérieures, alors que les verbes tendent à préférer, les verbes les plus fréquents, tendent à préférer les voyelles antérieures. Voilà. Donc la distribution plutôt vers les voyelles postérieures semble suggérer au locuteur qu'il s'agit d'un nom, et les voyelles antérieures plutôt qu'il s'agit d'un verbe. Voilà donc un cadre d'ensemble pour nous aider à définir ce phénomène du symbolisme phonétique qui peut avoir, vous voyez, beaucoup de dimensions. Cela donc est une inception de symbolisme phonétique au sens large, parce que vous voyez que ça comprend les interjections, les onomatopées et d'autre part des choses même conventionnelles. Si on voulait adopter une définition étroite de symbolisme phonétique, il faudrait cibler la dimension synesthésique. Synesthésique, qui constitue le cœur du concept de symbolisme phonétique. Essayons de donner quelques exemples maintenant en français. Nous avons déjà mentionné les onomatopées comme miaou par exemple. Il s'agit d'un cas de motivation par similarité, donc iconique, parce que miaou ressemble au cri du chat. Direct ou d'image, iconicité d'image, parce que dans miaou, nous pouvons reconnaître déjà dans le mot immédiatement la similarité avec le cri du chat. Et homogène,
parce que c'est un son qui ressemble à un autre son. Voyons par contre un exemple de motivation par similarité, encore directe, mais hétérogène, c'est-à-dire synesthésique, comme l'idiophone du français zigzag. Zigzag. Ah, zigzag est un idéophone, et l'un des rares idéophones du français, parce que il utilise les sons linguistiques pour représenter une réalité qui n'est pas sonore. Un zigzag signifie une trajectoire de ce type, hein, une trajectoire suivant une ligne brisée. C'est intéressant, ça serait intéressant, on pourrait faire, ça serait intéressant de le comparer à d'autres mots, par exemple à slalom, qui par contre représente quelque chose, une trajectoire de ce type. Et on pourrait de cette manière constater que dans zigzag, l'image de la trajectoire brisée est suggérée par la présence de consonnes occlusives qui interrompent le flux de l'air, donc qui suggère une discontinuité dans, dans le signifiant. Et cette discontinuité est la même qu'ils indiquent dans la trajectoire. Par contre, dans slalom, nous avons une répétition de L et puis de M, qui sont des consonnes parmi les moins contrastées. C'est-à-dire, celles, par exemple, le L est appelé par Jacobson la seule consonne qui, la seule consonne vocalique. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de bruit de frottement de l'air, n'a pas d'occlusion, a seulement des, elle n'est constituée que par des sons comme les voyelles. Elle est articulée seulement en déformant la cavité buccale et pas en provoquant des bruits de frottement ou d'explosion en bloquant l'air. On pourrait faire aussi un exemple, là je vais effacer ce que j'ai besoin. Oui, on pourrait faire un exemple aussi de motivation par similarité, donc iconique, mais indirecte. Donc une iconicité diagrammatique et hétérogène, c'est-à-dire qui représente des réalités non sonores. Je reprends cet exemple de, il a été proposé pour la première fois par Grammont, l'un des fondateurs de la phonologie française, celui qui a inventé la loi des trois consonnes. La loi qui explique l'utilisation du joie en français, non, du E. Nous pourrons rappeler, mais j'essaierai de réélaborer son exemple à travers le représentant comme ça. Alors, on va dire que ici on met les groupes consonantiques initiaux. Ici on met les
Donc là, on met la consonne initiale et là, la consonne interne. Et ici, on met la voyelle. On va écrire là. Frotter. Flotter. Et frôler. Ici, il n'y a rien, mais on pourrait y mettre comme un repère, hein, on va le mettre entre parenthèses parce que c'est dans notre ordre, on va mettre floré, un ancien participe passé qui n'a pas un verbe. Ça existe, fleuri. Oui, c'est un mot rare, mais j'ai cherché pour voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait placer. Il n'y a pas un verbe de la première conjugaison à cette place-là. Donc, si nous prenons frotter à lui tout seul, nous n'avons pas l'impression nécessairement qu'il s'agisse d'un mot phono-symbolique, hein, qu'il ait quelque chose de phono-symbolique. Cependant, si nous le comparons avec flotter, nous pouvons commencer à percevoir que le R opposé à L, que le R s'oppose à L comme une friction plus importante entre des corps solides, frottés, à un contact sans friction, un contact avec l'eau, de flotter. Donc ce fle de flotter s'oppose au fre de frotter comme moins de friction, plus de friction. Si ensuite on va prendre frôler, on retrouve le même fre de frotter. Et effectivement, il s'agit toujours d'un contact avec un corps solide. Mais les deux termes s'opposent par T contre L. Et l'opposition sémantique est d'une friction plus importante, frottée, avec une friction moins importante, plus légère, frôlée. Frôlée. Or, cela peut, disons, peut échapper à quelqu'un qui ne connaît pas les propriétés phonoacoustiques de T et L, mais si quelqu'un le connaît, on se rend compte tout de suite que cette opposition sémantique n'est pas, indifférente par rapport à ses propriétés. C'est-à-dire que T est une occlusive sourde, donc T demande comme le P d'auparavant un instant de silence avant, un blocage des cordes vocales. Et c'est une consonne qui marque un fort contraste avec le contexte vocalique dans lequel elle s'insère, et surtout elle demande un geste musculaire poussé. Hein, pour prononcer un T, il faut faire un geste de fermeture, un effort musculaire important. Par contre, le L, c'est tout le contraire, c'est-à-dire c'est une consonne très ouverte, qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas de fermeture, qui ressemble de près aux voyelles. Donc à l'oreille, ça fait très peu de contraste avec les voyelles autour. Et donc, frôler exprime de façon très précise, d'un point de vue acoustique, l'opposition entre frotter et frôler exprime de façon très précise l'opposition sémantique, hein, entre une friction plus importante, plus appuyée, et une friction plus légère. Si nous allons sur A, évidemment nous n'avons pas exactement les mêmes phonèmes, mais presque. Donc si nous allons sur A, écrivons A plus la. Nous avons
Ici, dans la position fre initiale avec consonne explosive, nous avons frappé. À la place de flotter, nous avons flatté. À la place de frôler, nous avons froissé. Avec une petite différence, c'est-à-dire l'ajout d'une semi-consonne « wa », froissé, mais toujours sur « a » comme voyelle principale, froissé, et flâné, ici. Donc vous voyez que encore, « fr » garde sa... son association avec la présence d'une friction. Dans le cas de frapper, c'est franchement un coup. Dans le cas de froisser, ça reste une friction avec un objet solide, en particulier une chemise, un pull froissé. Donc, il s'agit toujours de toucher. C'est un peu plus fort que frôler, mais c'est toujours du même ordre. Il n'est pas aussi fort que frapper ou frotter. C'est froissé. Et d'autre part, nous avons flatté qui, justement, a perdu fre et qui n'a pu avoir avec une friction. Au contraire, même d'un point de vue métaphorique, flatter, c'est plutôt éliminer les frictions, disons, alléger les frictions, éliminer, c'est le contraire. Et sur le pôle le plus léger, c'est flâner. Donc flâner, il n'y a pas de friction ce n'est pas appuyé, ce n'est pas lourd, c'est vraiment voilà, circuler sans aucun objectif, aucune contrainte. Donc vous voyez que ça c'est un exemple. Donc chez Grammont, vous aviez seulement ces là. Donc, j'ai ajouté le reste pour vérifier, pour tester si ça pouvait s'étendre. Vous voyez que, sans qu'il y ait un déterminisme absolu, évidemment, mais on s'aperçoit qu'il y a, Wittgenstein l'appellerait un air de famille, c'est-à-dire il y a une tendance de ces mots à s'organiser, à exploiter les ressources phonologiques de façon assez cohérente. Avec les valeurs sémantiques qu'elles doivent exprimer. Bien, après avoir vu avoir donné une définition, avoir une typologie, disons. Or, ce type de phénomène, hein, ne rentre pas vraiment dans la typologie que propose Hinton, parce que, en fait, ça fait allusion à la possibilité que l'ensemble du lexique soit, dans une certaine mesure, organisé de façon iconique et diagrammatique. Donc on peut appeler ça un phénomène général de phonosymbolisme ou d'iconicité phonologique. Évidemment, ça reste à vérifier, mais je parie avec vous, si ça vous intéresse de recueillir ce pari, que si vous allez chercher la totalité des verbes de première conjugaison en fre en français et la totalité des verbes en fle, hein, et que vous les classez par ordre de fréquence. Évidemment, il ne faut pas qu'un verbe ou un mot inconnu comme florer pèse autant qu'un verbe utilisé tous les jours. Et si vous les classez par fréquence, je parie que vous allez trouver une concentration nettement plus importante de sémantique relative à la friction d'un fre que d'un fle. Et par contre, dans les verbes en fle, vous allez trouver beaucoup de significations liées au fluide,
au léger, à un mouvement sans contrainte, etc. Voilà, c'est une prédiction, puisqu'il faut, pour tester les théories scientifiques, il faut faire des prédictions. Je fais cette prédiction. Je pense que. Voilà, vous pourrez la vérifier. On fait deux types d'objections, généralement au symbolisme, aux théories du symbolisme phonétique. Le premier type est un type d'objection, on va dire, empirique, d'ordre empirique, c'est-à-dire on objecte que beaucoup de mots ne présentent pas de rapport visible entre leur signifiant et leur signifié. Ce type d'objection est par exemple celui soulevé par Harford en 2004. Harford, il était en train de commenter un article de Rizzolatti et Harbib Rizzolatti est l'un des de ceux qui ont découvert les neurones miroirs. Et dans cet article, il propose d'utiliser cette. Il propose d'interpréter cette découverte des neurones miroirs comme une possible explication de l'origine du langage, notamment en soutenant que le langage pourrait avoir une origine imitative au gestuel, et que donc à l'origine, le niveau sémantique et le niveau phonologique seraient confondus. Donc, en fait, à partir de la découverte des neurones miroirs, Rizzolatti a produit différents articles dans lesquels il a soutenu cette idée d'une origine phono-sémantique du langage. D'abord, une origine gestuelle, langage gestuel, qui après se serait transféré dans la bouche à travers la médiation du symbolisme phonétique, devenir verbal. Donc, Harford s'oppose à cette théorie en disant que les neurones miroirs peuvent expliquer, par exemple, quelque chose dans le domaine phonologique, hein, le fait que l'enfant, en entendant les sons linguistiques des parents, apprend automatiquement à les reproduire, parce que vous savez que les neurones miroirs sont des neurones qui s'activent de la même manière lorsque nous effectuons une action et lorsque nous percevons quelqu'un d'autre qui effectue la même action. Hein. Donc, ce sont donc des neurones qui semblent être faits exprès pour nous permettre de nous mettre dans la peau de l'autre et d'imiter l'autre. Donc, Harford dit que ces neurones peuvent bien expliquer le fait que l'enfant, en entendant les sons linguistiques, sache les reproduire. Et ils peuvent aussi expliquer le fait que sur le côté sémantique, quand nous entendons un verbe d'action, par exemple marcher ou saisir, notre compréhension de la signification de ce verbe active dans notre cerveau les régions de la main ou des jambes. Quand nous comprenons le verbe saisir, nous comprenons, nous lisons le verbe saisir ou nous entendons le verbe saisir, dans notre cerveau, c'est le cortex moteur de la main qui s'active. C'est-à-dire notre compréhension des mots met en jeu notre habilité de reproduire l'action décrite par les mots. Donc cela ne pose pas problème à Harford. Ce qui lui pose problème, c'est le rapport entre signifiant et signifié, parce que Rizzolatti et Harbi finissent par dire qu'à l'origine, le langage a dû
gérer ensemble phonétique et sémantique. Et lui, il dit non, c'est impossible que les neurones miroirs expliquent quelque chose sur le rapport signifiant-signifié, parce que ce rapport est, de par sa nature, arbitraire. Et il ne donne aucun argument, si ce n'est ce dessin. Ce n'est ça. Donc, une pomme n'est pas, ne ressemble pas au mot épeau. Hein, une pomme n'est pas le mot épeau. Cet argument de Harford, ce refus de Harford est intéressant parce que il montre comment l'arbitraire est traité comme un postulat. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de l'argumenter. Mais au contraire, l'existence même de l'arbitraire constitue une preuve. Donc il peut dire, on ne peut pas expliquer avec les neurones miroirs l'origine du langage de façon imitative, parce que le signe est arbitraire et il suffit ça pour le dire. Il suffit de dire que l'image de la pomme ne ressemble pas au mot pomme. Mais maintenant, nous pouvons répondre à cette objection en disant que c'est vrai que certains mots dans certaines langues ne ressemblent pas à leur signification, mais on ne peut pas déduire de cela que tous les mots dans toutes les langues ne ressemblent en aucune manière à leur signification. Il faut en effet dire, il faut préciser que, d'une part, toutes les langues disposent d'onomatopées. Dans de nombreuses langues, surtout non indo-européennes, à la place de ces onomatopées, nous trouvons des systèmes idiophoniques complexes qui jouent un rôle beaucoup plus central dans la langue parlée courante, mais surtout, le troisième argument, c'est que le rapport de similarité directe de type onomatopéique n'est pas le seul rapport de similarité ou quand même de motivation qu'on peut analyser. Pour s'interroger sur la question de l'arbitraire, il faut prendre en compte aussi les rapports de similarité indirecte, diagrammatique, comme celui que j'ai montré auparavant pour frotter, flotter. On peut supposer qu'à travers cette analyse, il y ait un nombre beaucoup plus important de mots dans les langues qui montrent des correspondances signifiant-signifiées. Il y a il y a deux types d'approches principales. Démontrer des choses dans le domaine du symbolisme phonétique. Donc, on peut distinguer une approche théorique, d'une part, et d'autre part, une approche empirique. Dans le domaine des approches empiriques, on peut distinguer des méthodes expérimentales et des méthodes descriptives. Une approche empirique est une approche qui vise à identifier des objets observables qu'on peut appeler des phénomènes de symbolisme phonétique. Tandis qu'une approche théorique est une approche qui vise à identifier non pas des objets observables, mais des perspectives à partir desquels l'observateur peut dégager ses objets. Donc quand on s'intéresse de théorie, quand on fait de la théorie, c'est pour modifier le regard, le point de vue à partir duquel l'observateur envisage la réalité. Tandis que quand on fait de la recherche empirique, pour ainsi dire, on part d'une perspective qui est donnée,
On part toujours d'une approche théorique, mais on ne le remet pas en question. Et à l'intérieur de cette approche théorique plus ou moins implicite, on s'efforce de démontrer l'existence d'objets, observables. Parmi les approches j'ai dit empirique et théorique. Alors, après, il y aurait un troisième type d'approche que je pourrais appeler magique. Magique ou poétique aussi. Magique, poétique, ésotérique, mystique. Cette approche magique ne vise ni à modifier la perspective de l'observateur sur l'objet observé, ni à identifier des objets observables à l'intérieur de la réalité, mais il vise à nuancer ou effacer la séparation entre l'observateur et l'observé. Hein? Donc quand il s'agit de magie, l'exemple de magie entre guillemets dans ce domaine, c'est les mantras dans la tradition hindoue, ou les enchantements dans la tradition ancienne grecque et romaine. Donc c'est un usage du symbolisme phonétique d'un certain rapport entre les sons et les choses, qui a un rapport enchantatoire, un rapport qui modifie l'état de conscience de celui qui observe, jusqu'à nuancer, effacer, redéfinir le rapport entre sujet et objet. Mais nous n'allons pas approfondir cela aujourd'hui. Par contre, nous allons nous concentrer sur les deux autres approches, approche empirique et théorique. Donc, approche empirique, nous avons dit qu'il y a deux grandes méthodologies expérimentales. Et descriptive. Méthodologie expérimentale, nous avons donné un exemple un peu trivial, un peu vite fait, au début de cette séance. Il s'agit de construire des situations artificielles dans lesquelles on peut isoler et tester soit le comportement des sujets, soit l'activité cérébrale. Ce sont les deux approches principales, les deux approches expérimentales principales dans le domaine du symbolisme phonétique, c'est-à-dire soit vous proposez une tâche et vous tester le comportement des personnes, comme je l'ai fait auparavant. Donc associez-moi poum 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 et wa 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 à ces deux figures. Levez la main, ça c'est le comportement face à la tâche. Et on analyse le résultat, le comportement face à la tâche pour décider s'il y a du symbolisme phonétique ou non. Sinon, on pourrait vous faire faire quelque chose de semblable, mais dans une machine d'imagerie par résonance magnétique, ou dans une machine d'électroencéphalographie pour voir à qu'est-ce qu'il fait votre cerveau pendant que vous faites ces tâches. Donc ce sont les deux grandes familles d'expériences qu'on peut faire. À la première famille comportementale appartient l'étude fondatrice, la célèbre expérience de Köhler. L'expérience Maluma Takete. Qui, on va dire, c'est la mère de toutes les expériences sur le symbolisme phonétique, associée Maluma Takete à deux figures dont l'une pointue et l'autre courviligne. Courviligne.
À partir de cette expérience de 1929, après, dans les 90 ans qui nous séparent de cette expérience, il y a eu des centaines de résultats expérimentaux, sur non seulement sur le domaine visuel, évidemment sur le domaine visuel, mais aussi sur le domaine tactile, sur le goût, sur l'odorat. Et donc nous connaissons désormais de façon assez précise et détaillée la valeur de chaque classe de phonèmes, les occlusives sourdes, les occlusives sonores, les fricatives sourdes, les fricatives sonores, les voyelles antérieures, postérieures, ouvertes, fermées, etc. Donc les différents traits distinctifs, on va dire. Nous connaissons désormais de façon assez précise les valeurs synesthésiques, c'est-à-dire phonosymboliques, des différents traits distinctifs existants. Par exemple, l'opposition entre voyelles fermées et ouvertes a été des dizaines de fois associée à l'opposition entre des objets petits, voyelles fermées, grands, voyelles ouvertes, et des objets sombres, voyelles fermées, claires, ouvertes. L'opposition entre voyelles antérieures et postérieures, hein, c'est-à-dire I et E antérieures, O ou U, O ou postérieures, qui est une opposition acoustiquement entre des voyelles aiguës, les antérieures, et les voyelles graves, les postérieures, est associée au petit contre grand, clair contre sombre, mais aussi rapide contre lent, pointu contre arrondi, précis, détaillé contre général, global, et dans une expérience que nous avons conduite à l'Université de Bourgogne, aussi, nous avons conduite sur les vins plus acides sont associés à I et les vins plus sucrés, plus doux, sont associés à O ou. Dans le domaine des consonnes, par exemple, l'opposition la plus étudiée est l'opposition entre consonnes sourdes et consonnes sonores. Il faut interpréter ça comme occlusive sourde, occlusive sonore, parce que les fricatives se comportent dans certains cas de façon inversée par rapport aux occlusives. Donc occlusive sourde comme p, t, q, occlusive sonore comme b, de, g. La sourde est petite, la sonore est grande. La sourde est lumineuse, la sonore est sombre. La sourde est dure et la sonore est molle. La sourde est légère, petite que. La sonore est lourde, be de gue. La sourde est aiguë, la sonore obtuse. La sourde est discontinue, petite que, tranche. La sonore est continue, plus continue. Et pareil dans les gestes, la sourde est saccadée, la sonore est fluide. Et encore une fois, toujours dans notre expérience, sur le vin, la consonne sourde est associée plutôt au vin acidulé et la consonne sonore plutôt au vin sucré. Dans le domaine descriptif, le domaine descriptif consiste non pas à étudier les réactions des sujets parlants face à une situation artificielle, mais étudier le répertoire lexical et grammatical des langues. Et voir, comme dans les exemples que j'ai fait auparavant sur les phonestèmes, ou flatter, frotter, etc., voir d'un point de vue statistique comment les sons sont répartis par rapport aux significations. Il y a évidemment plusieurs méthodes particulières. On peut citer par exemple le travail de Amano, qui est un exemple particulièrement réussi d'étude des idiophones, du système idiophonique japonais. Dans lequel
Amanon a étudié en particulier, enfin, elle a étudié tout le système idiophonique du japonais, mais dans un chapitre, elle cible les idiophones ayant la forme CVC-CVC, CVCV-CVCV, et c'est-à-dire consonne-voyelle, consonne-voyelle, consonne-voyelle répétée, qui joue un rôle de adverbe. Et elle a pu identifier le type de valeur de la consonne C1 et C2, ainsi que elle a pu attribuer une valeur spécifique à la consonne, à la première consonne, à la deuxième consonne et à la voyelle. C'est-à-dire, elle a constaté que la première consonne tend à caractériser la qualité tactile de la surface de l'objet concerné par l'action. C'est-à-dire l'idéophone, je vous fais un exemple. Pouwa pouwa. Pouwa pouwa veut dire flotter légèrement. C'est quelque chose qui. Il faudrait plutôt utiliser un participe présent, flottant légèrement. Flottant légèrement. C'est un adverbe, donc c'est plutôt. Donc, on peut dire que un navire, poua poua, est en train de flotter légèrement. La première consonne, dans tous ces idiophones, caractérise le type de contact avec la superficie et la surface. Et dans ce cas-là, le P représente la surface tendue de l'eau qui est perçue comme tendue parce qu'elle soutient le poids de ce qui flotte dessus. Tandis que le W, la deuxième consonne dans tous ces idiophones, caractérise la qualité du mouvement. Le mouvement de flotter est un mouvement doux, donc W, comme dans notre exemple initial, ce W représente le mouvement doux et le P représente la qualité élastique tendue de la surface de l'eau qui soutient le poids de la chose qui flotte. Par contre, la voyelle U et A représentent la forme initiale et finale du processus et l'alternance entre la voyelle fermée et la voyelle ouverte représente l'alternance entre un moment dans lequel l'objet est plus petit parce qu'il est plus enfoncé dans l'eau, et un moment où l'objet est plus grand parce qu'il ressort. Donc, ou A, ça représente ce changement de taille. Et la chose intéressante, évidemment, c'est que cette théorie a ensuite vérifié sur l'ensemble des 300 idiophones ayant cette forme. Par exemple, si je prends. Porta porta. Nous avons toujours une sur qui veut dire quelque chose qui goûte, un fluide qui goûte, un liquide fluide qui goûte. Nous avons toujours cette surface tendue de l'eau qui visualise la goutte. Mais dans la deuxième position, au lieu d'avoir un mouvement doux, nous avons T, qui représente d'habitude l'impact. Donc le fait de goûter est représenté par ce T. Par ailleurs, si on analysait d'un point de vue acoustique ce bruit et le T, on verrait que, il partage des éléments structuraux importants. Tandis que l'alternance entre O et A, là, ça serait le passage d'une goutte ronde pendant la chute à quelque chose de plus étalé, A, pota. Si on prend par exemple boua-boua, je ne sais pas c'est comment. En japonais. Oui. Ça, ce sont des. Oui, pardon, je ne l'ai pas dit.
Ce sont des idiophones du japonais. Donc si on prend Buwa Buwa, il s'agit de un adverbe qui caractérise une manière de flotter lourde, par opposition à Puwa Puwa, qui caractérise une manière de flotter léger, légère. Par exemple, Puwa Puwa, on le dira d'une plume sur l'eau ou d'une feuille sur l'eau. Tandis que Buwa Buwa, on le dira d'un gros tronc ou d'un navire. Puwa Puwa, léger, la sourde. Buwa Buwa, lourd, la sonore. De l'autre côté, nous allons avoir, par exemple, Bota Bota. Bota Bota, encore sonore contre sourde. Ici, il s'agit d'un liquide fluide qui coule. Ici, il s'agit d'un liquide dense qui goutte. Donc là, ce sont des gouttes, par exemple, d'eau, Bota Bota. Bota Bota sont des gouttes de boue, par exemple, de pétrole. Toujours représenté par les B. Et bon, et ainsi de suite. J'ai d'autres exemples, mais je ne vais pas m'arrêter davantage. Donc, un autre exemple de analyse descriptive est celui fourni par Monaghan. Sur la langue anglaise. Monaghan a étudié la totalité des 5000 monosyllabes de l'anglais et à l'aide d'un ordinateur, il a calculé toutes les distances phonologiques entre ces 5000 mots, de chaque mot par rapport aux restantes. Les distances sémantiques de chaque mot par rapport aux autres. Et ce qu'il a pu, donc il a trouvé des méthodes pour mesurer les distances phonologiques et les distances sémantiques. Les distances phonologiques, on les mesure de façon relativement facile à travers plusieurs méthodes, le nombre de traits distinctifs qui les séparent, la fréquence des phonèmes, etc. Les distances sémantiques, il s'est servi, il a croisé 7 dictionnaires différents, si je ne me trompe pas, pour voir le nombre de synonymes qui figuraient dans les différents mots. Il a utilisé 3 ou 4 méthodes différentes, et pour calculer les distances phonologiques, et pour calculer les distances sémantiques, de façon à ce que la valeur obtenue ne soit pas biaisée par la méthode de calcul utilisée. Et il a obtenu comme résultat que, globalement, dans le lexique anglais, on a que les mots qui se ressemblent davantage du point de vue phonologique se ressemblent aussi davantage du point de vue sémantique. Encore une fois, globalement, il y a une tendance globale à ce que plus les mots sont proches d'un point de vue phonologique, plus ils sont proches d'un point de vue sémantique. Et cela aussi si on élimine tous les cas où cette proximité est déterminée par la dérivation ou la flexion, flexion grammaticale ou la dérivation lexicale. Cette corrélation entre la forme des mots et leur signification n'apparaît pas concentré sur des catégories particulières des mots, par exemple seulement sur les onomatopées ou seulement le lexique expressif, mais c'est une propriété répandue sur l'ensemble du lexique. La seule variante, le seul paramètre qui montre un biais par rapport aux différents paramètres socio-démographiques qu'ils ont analysés, c'est l'âge d'acquisition des mots, c'est-à-dire les mots appris en moyenne avant d'entrer à l'école, donc appris dans la langue orale préscolaire, sont beaucoup plus phonosymboliques, beaucoup plus iconiques que les mots appris après 6 ans. À partir du moment où on commence à apprendre des mots sur les livres, ces mots
deviennent de moins en moins liées. La phonologie de ces mots devient de moins en moins liée à leur sémantique. Voilà donc pour ce qui en est, ce qui concerne la partie descriptive. J'aurais évidemment beaucoup d'autres choses à dire. Je me limite à une seule problématique que je lance là, parce que qui est celle sur laquelle je suis en train de travailler davantage en ce moment. C'est une problématique théorique, juste qui concerne justement le regard sur ces phénomènes et qui me semble pouvoir apporter des réponses à deux questions. La première, quels sont les enjeux d'une recherche sur la nature du signe et donc sur le symbolisme phonétique. Pour quelles raisons le débat sur ce sujet, qui traverse toute notre tradition depuis le début, depuis l'origine, depuis le premier texte de philosophie du langage de l'Occident, le Cratyle de Platon, la première chose qu'on écrit sur le langage, c'est la question s'il y a du symbolisme phonétique ou non, si le signe est arbitraire ou phonosymbolique. Alors pourquoi ce débat traverse de cette manière toute notre tradition, parfois avec des accents même violents, avec des tendances que nous constatons encore aujourd'hui à un refus, par exemple, de la part de certains linguistes, un refus très net, très, très violent, très parfois même méprisant. Pourquoi il y a cet investissement aussi important d'un point de vue psychologique dans ce sujet? Donc, quel est l'enjeu de cette question? Et pourquoi, deuxième question, pourquoi, au cours de toute notre tradition, le courant dominant de notre tradition a plutôt choisi l'arbitraire du signe, même s'il a toujours existé un courant secondaire favorable à l'iconicité. On peut dire que dès le début, on distingue assez clairement un courant dominant favorable à l'arbitraire du signe. Alors, ce courant dominant favorable à l'arbitraire du signe, on peut le résumer comme ça. On met là Platon, chez qui il y a toutes les positions. Après, d'une part, il y a le courant arbitrariste, qui est Aristote. Thomas d'Aquin. Qui a enseigné dans cette université au XIIIe siècle. Descartes. Locke. Bob. Saussure. Chomsky. Martini. Hein? On va dire que ça, c'est le courant dominant de la culture occidentale sur la question de la nature des signes. D'autre part, il y a un courant alternatif qui a soutenu la thèse opposée, Épicure. Augustin. Henri de Gandes, Wallis, l'inventeur du symbole de l'infini,
et l'un des premiers grammairiens de l'anglais, Leibniz, Humboldt, et après les Gobelins, Gramont, Jespersen, et après on arrive aux contemporains, Jan Slow aussi. Jan Slow, Jacobson, etc. Donc la question est à la fois pour quelles raisons il y a ce débat, qu'est-ce qui représente ce débat, comment l'interpréter, pourquoi il y a ce courant dominant qui soutient l'arbitraire du signe malgré les éléments empiriques disponibles pour nuancer cette affirmation de l'arbitraire. Alors, sur ce point, mon hypothèse est la suivante, je vais la dire brièvement. Je crois que, en fait, le débat sur la nature du signe est un débat sur la nature des médias à travers lesquels on traite le langage et on se représente le langage, mais surtout à travers lesquels on fait expérience de ce qu'est le langage. Et en particulier, l'opposition millénaire entre l'arbitraire du signe et les théories imitatives, mimétiques du symbolisme phonétique, etc., peut être lue comme une opposition entre un regard sur le langage axé sur l'expérience de l'écriture et un regard sur le langage qui veut récupérer l'expérience orale, originaire et naturelle du langage. Pour quelles raisons je pense que c'est l'écriture qui nous pousse à concevoir le langage comme quelque chose d'arbitraire? Parce que l'écriture, tout d'abord, nous montre le langage dépourvu de son. Elle nous montre le langage en tant qu'objet, objet séparé des objets auxquels il se réfère. Nous voyons une page, nous voyons le langage, nous le voyons en tant qu'un objet fixe qui se réfère à des objets fixes autres que lui. En fait, la pratique de l'écriture et de la lecture, qui est la pratique principale, qui est l'expérience principale que les savants ont du langage, introduit un biais cognitif et pragmatique sur la manière de percevoir, agir et concevoir le langage, qui fait que le langage perd certaines de ses propriétés constitutives qu'il a à l'oral. C'est la raison pour laquelle, traditionnellement, les théories du symbolisme phonétique sont fréquentes chez les enfants. On vient de le voir, les enfants, le langage enfantin est plus iconique. Fréquent chez les alphabètes et les illettrés, tandis que les théories de l'arbitraire sont préférées par les savants. Et je pense que cela dépend du fait qu'elles collent avec une expérience d'écriture. Expérience d'écriture dans laquelle
La signification des mots est séparée de leur son. L'expérience de lecture et d'écriture se fait, est séparée de l'action. C'est-à-dire, quand nous lisons et nous écrivons, nous lisons et écrivons des choses qui concernent des actions qui sont nécessairement ailleurs par rapport au lieu où nous lisons et écrivons. Quand nous parlons à l'oral, nous pouvons, et généralement c'est ce que nous faisons, nous parlons de ce que nous sommes en train de faire. Ou au moins nous pouvons parler de ce que nous sommes en train de faire. Au contraire, quand nous lisons et écrivons, nous ne pouvons pas lire et écrire sur ce que nous sommes en train de faire, tout simplement parce que, puisque l'écriture et la lecture ne sont pas naturelles pour nous, nous avons besoin de ne rien faire d'autre que lire et écrire. Donc, lire et écrire, c'est nécessairement séparé de l'action dont on parle. Le langage écrit est nécessairement séparé de l'action dont il parle. C'est un dispositif qui fait que le langage est autre chose que la réalité. Vous savez ce que dit McLuhan, la célèbre phrase de Dick McLuhan, le média est le message. Le média est le message. Quel est le message de l'écriture? Le message de l'écriture est ce dont on parle est autre chose que le fait qu'on en parle. Les actions dont on parle sont autre chose que le langage lui-même. Vice-versa, à l'oral, parler, c'est parler dans l'action, c'est faire une action parmi les autres. Et dans cette contiguïté de la parole comme action et des actions dont la parole parle, eh bien, la parole qui reste dotée de son entre en résonance avec les actions. Par exemple, quand nous parlons au milieu d'une action, le rythme de notre parole doit s'accorder au rythme de l'action, les sons de nos mots doivent s'accorder au son du contexte dans lequel nous agissons, et donc il y a beaucoup plus de possibilités que se créent des circuits d'imitation et de harmonisation entre ces deux ordres de réalité. Bon, cette partie, j'aurais voulu la développer davantage, je la lance comme une suggestion et je vous laisse la parole parce que j'ai déjà trop parlé. Merci. Bien, merci beaucoup Lucas. Donc, il y a un certain nombre de points que tu as abordés, que nous avions déjà un petit peu examinés, notamment la typologie du symbolisme phonétique, hein, de Newton, Ohala, etc. Bon, je laisse la parole et Oui, allez-y. Je voulais juste avoir plus d'informations, si vous permettez, sur le neuro-miroir. J'ai pas bien compris. Les neurones miroirs. Oui, j'ai pas bien compris ce. Oui, ça c'est vrai qu'on n'a pas de pour parler. Ah, d'accord. D'accord. Les neurones miroirs sont une famille de neurones qui a été découverte en 1992. Par une équipe de neuroscientifiques de l'université de Parme en Italie. Elle a été découverte dans le cerveau des singes. Ce sont des neurones qui s'activent de la même manière lorsque le singe fait une chose, par exemple saisit un objet, et lorsqu'il voit quelqu'un d'autre qui fait le même geste. Alors ce sont des neurones moteur, donc qui gère le bras du singe, ou on peut parler aussi des hommes parce qu'après on l'a trouvé aussi chez les hommes. Donc ce sont des neurones moteurs qui gèrent les mouvements, mais qui s'activent aussi quand nous voyons quelqu'un d'autre qui fait les mêmes mouvements. Hein? Donc cela. Pardon, il y a l'anecdote du
du moment de la découverte dans le laboratoire. Hein, je ne sais pas, tu peux la raconter parce que je trouve oui. que c'est assez marquant. Oui, donc ils étaient en train de mesurer l'activation des neurones moteurs dans le cerveau d'un singe quand le singe prenait une cacahuète. À un certain moment, pendant une pause, un chercheur est passé devant le singe et a pris lui la cacahuète. Et ce neurone individuel du cerveau du singe qui était censé commander le mouvement de son bras s'est activé quand le singe a vu le chercheur faire le même geste. Donc, ils se sont rendus compte que voir l'action d'un autre résonne avec nos propres actions. C'est-à-dire, nous voyons une partie de nous, une partie de notre cerveau, voir les actions des autres comme si elles étaient nos actions. C'est la raison, par exemple, pour laquelle, si quelqu'un se met les doigts dans le nez, ça peut nous gêner, parce que c'est comme si nous le fassions. Si quelqu'un fait quelque chose de dégueulasse, ça nous perturbe, parce que c'est comme si nous le faisions nous. Ou si quelqu'un se met à tousser, ça nous donne envie de tousser. Il y a ce type d'identification avec les gestes d'autrui qui sont, donc, se projettent dans notre système moteur. Et voilà, donc maintenant on connaît deux réseaux miroirs chez l'homme. Un réseau qui permet de miroiter les gestes, qu'ils soient des gestes visibles ou audibles. C'est-à-dire, même si je fais un bruit, comme ça vous entendez ce bruit, vous comprenez que je suis en train de marcher. Comment vous le comprenez ? Quand vous entendez ça, sans que vous y pensiez, dans votre cortex moteur qui gère vos pieds s'active. C'est-à-dire, vous, pour interpréter ce bruit, vous activez mentalement l'acte de marcher, c'est-à-dire les cellules nerveuses qui commandent vos jambes, et de cette manière, vous comprenez qu'il s'agit du bruit de la marche. Et il y a un deuxième réseau qui concerne, au contraire, l'empathie et les sentiments. C'est-à-dire, on peut, de la même manière, regarder le visage de quelqu'un et ressentir ses sentiments, la douleur, le dégoût, etc. Cela aussi est géré par une famille de neurones miroirs qui se trouvent à des endroits différents. Mais en gros, c'est ça. Ils ont découvert le dispositif anatomique, physiologique, qui gère notre capacité de nous projeter dans les autres et donc de les imiter. Et voilà. Et en quoi Harford s'oppose à lui ? Alors, parce que à partir de cette découverte, ce que Rizzolatti et Arbid soutiennent, c'est que puisque ces neurones miroirs sont déjà présents chez les singes et qu'ils se trouvent en particulier dans l'aire de Broca, entre autres, autour de l'aire de Broca et aussi un peu dans l'aire de Broca. Alors, leur idée, c'est que à l'origine, le langage a pu être un système gestuel dans lequel on imitait des actions. Par exemple, je ne sais pas, j'imite une action. Ça, c'est seulement le système miroir humain qui sait le faire, c'est-à-dire comprendre que là, je suis en train de soulever quelque chose. Un singe, si je ne le soulève pas vraiment, il ne comprend pas. Chez l'homme, par contre, le système miroir fonctionne aussi en l'absence de l'objet. Donc, selon eux, ce système aurait permis donc d'utiliser des gestes pour représenter des actions. Et donc, cela est utile parce que je peux, en l'absence de l'objet, par exemple, j'ai chassé un ours, en l'absence de l'ours, je peux faire la scène, la pantomime qui montre comment j'ai chassé l'ours. Et cette capacité de communication se baserait sur les neurones miroirs, parce que moi, en faisant ce geste, j'active ton mouvement des mains et des jambes, etc. Donc tu peux comprendre quelle est la signification de mon geste. Et donc ça, ce serait l'origine de la communication. Puis dans une deuxième étape, ces mouvements brachio-manuels auraient commencé à s'accompagner de mouvements oro-buccaux qui fournissaient la colonne sonore de la pantomime.
Et petit à petit, ces gestes, par exemple, grand, se seraient transférés dans l'ouverture de la bouche. Donc petit à petit, certains détails, certains traits distinctifs, on va dire, des gestes manuels, seraient devenus des traits distinctifs, des gestes vocaux. Et grâce à cela, présentant certains avantages, pouvoir communiquer la nuit, pouvoir communiquer en faisant d'autres choses, etc. Et donc, le langage à l'origine serait ce système mimétique gestuel qui se transfère des mains à la bouche. Donc, il y aurait cette étape phonosymbolique qui fait la liaison entre les gestes et le langage verbal. Pour Harford, il n'est pas d'accord sur le fait qu'un dispositif phono-sémantique puisse expliquer l'origine du langage humain, parce que pour lui, le langage humain est caractérisé par l'arbitraire. Donc, si on dit que ce système à l'origine était mimétique, ça n'a rien à voir pour lui avec le langage. Je voulais, enfin, vous parlez de la lecture et de l'écriture, enfin, vous avez opposé très, très nettement la lecture et l'écriture. En fait, la lecture silencieuse a été une conquête assez récente, finalement, parce qu'elle date du Moyen-Âge, et qu'avant, toute lecture était une lecture prononcée. Donc il n'y avait pas d'écriture, et ça n'est qu'à partir d'un certain moment. On a pu franchir cette étape de lecture silencieuse. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, vous dites que finalement, l'écriture, c'est une parole désincarnée parce que il n'y a pas de participation finalement de toute l'activité cérébrale qui va avec l'oralisation. Et la question, c'est pourquoi vous pensez une chose aussi radical, alors que l'histoire nous apprend que ce n'était pas totalement le cas tout le temps. À quel moment c'est incarné finalement? Évidemment, ça a été, c'est un processus progressif qui, par ailleurs, la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à l'autre bout du processus. C'est-à-dire nous sommes en train d'entrer dans une époque où l'écriture et la lecture se marginalise de plus en plus face à la possibilité de utiliser l'audiovisuel. Enfin, nos adolescents aujourd'hui utilisent beaucoup plus facilement YouTube et Skype pour communiquer que l'orthographe française. Hein? Donc, regardez. Bon, la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, à travers la diffusion de l'audiovisuel, nous sommes en train de sortir de la longue période que nous appelons l'histoire, qui a duré 5000 ans, dans laquelle le seul moyen pour stocker et transmettre dans l'espace et dans le temps la pensée, c'était l'écriture. Depuis un siècle, nous pouvons enregistrer l'oral. Et depuis 20 ans ou 10 ans, tout le monde peut le faire. Hein? Ce n'est que maintenant avec les smartphones que tout le monde, à tout moment, peut facilement prendre une vidéo ou enregistrer l'oral. Jusqu'à hier, il fallait écrire pour faire ça. Donc, nous en sommes là. Maintenant, je réponds à votre question. C'est pour dire pourquoi c'est important pour moi. Alors, c'est tout à fait pertinent ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est vrai que pendant toute l'Antiquité, l'écriture est un moyen d'appoint, on va dire, parce que la culture est essentiellement à l'origine de Platon, par exemple. Quand Platon va à l'école, qu'il a 5 ans, nous savons que Aristophane nous présente une scène d'école dans laquelle on ne parle pas d'écrire et de lire. Parce qu'à l'époque de Platon, encore, l'écriture venait d'apparaître. Donc à l'école, on apprenait à jouer des instruments musicaux qui servaient à accompagner les chansons par le biais desquelles on apprenait par cœur les poèmes traditionnels. Donc la culture ancienne est basée sur l'apprentissage par cœur de la tradition orale poétique.
jusqu'à, grosso modo, l'âge de Thomas d'Aquin, ou on va dire plutôt entre Augustin et Thomas d'Aquin, effectivement, les témoignages que nous avons nous disent qu'on lisait à voix haute et que l'écriture était plutôt un moyen pour supporter un apprentissage qui restait pour une bonne partie mnémonique, oral. Mais ce n'est pas par hasard si, pendant toute l'Antiquité, nous avons les théories du phonosymbolisme qui sont les théories dominantes. En fait, la théorie de l'arbitraire ne devient dominante que à cette étape-là, avec Thomas d'Aquin. En fait, c'est à partir du moment où Thomas d'Aquin fait d'Aristote le philosophe du christianisme, de la théologie chrétienne, que l'arbitraire du signe s'installe au centre du système du savoir européen. Jusqu'à cette époque-là, la question est beaucoup plus floue, et en tout cas pendant toute l'Antiquité, là je n'ai mentionné qu'Épicure, mais Augustin notamment, Augustin nous parle de la théorie imitative des stoïciens, donc de la plus importante école philosophique de l'Antiquité, qui était justement une théorie imitative, dérivée de la théorie que Platon fait prononcer à Socrate dans le Cratyle. Donc pourquoi je pense que qu'il y a cette... pourquoi je pense qu'il y a cette distance, cette différence importante. Tout simplement parce que, en fait, si nous analysons l'histoire des théories sur la nature du signe, nous nous rendons compte que, tout au long de cette histoire-là, j'ai oublié de mettre la troisième grande famille de théories, qui est la famille des théories mystiques, magiques et poétiques. Alors, avant le début de la philosophie, dans la plupart des traditions, des traditions de type sacré, religieux, par exemple dans l'hindouisme, par exemple dans le bouddhisme japonais, dans la tradition oraculaire grecque, dans les traditions, dans la Bible et dans la tradition juive, dans la Kabbale juive, etc. La théorie implicite du langage, c'est le langage est une puissance créatrice de la réalité. Le langage est une chose qui crée la réalité. Dieu est le Verbe, dans la tradition juive chrétienne, est le Verbe, la parole, qui a créé l'univers. L'univers a été créé par une phrase, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il y a dans la plupart des traditions pré-philosophiques, traditions de pensée, qui sont encore, où encore la religion est mélangée à la pensée, l'idée, la théorie de base du langage est celle d'un langage créateur de réalité, et pas d'un langage qui décrit la réalité. Ce n'est que dans notre tradition philosophique que s'affirme l'idée que le langage est une représentation du réel. C'est-à-dire que la fonction principale de la parole, c'est de décrire ce qui existe déjà. Alors, là, vous verrez facilement l'opposition pragmatique entre performatif et constatif. Dans les cultures orales primaires, la parole est vue comme... ce qui est vu au premier plan de la parole est son côté performatif, c'est-à-dire la parole est faite pour créer des événements, coordonner des actions, faire advenir des choses, modifier la réalité, produire de la réalité. Ça, c'est l'expérience orale qu'on a du langage. Pourquoi ? Parce que la parole orale se fait dans l'action, dans la vie, dans l'interaction. Et donc, parler, c'est modifier le cours des événements.
parler, c'est modifier le cours des événements. C'est agir. C'est l'une des actions parmi les autres. Je suis en train de construire une maison, je parle avec toi, tu me passes, comme le fait Wittgenstein, encore une fois, dans les recherches philosophiques. Ah, il construisait la maison de sa sœur, je crois. Et de là, il a tiré toute sa philosophie du langage, des recherches philosophiques. Donc, à l'oral, parler, c'est agir et produire de la réalité. À l'écrit, ça ne peut pas être la même chose. Non pas parce qu'on a un jugement positif ou négatif envers l'écrit, mais parce que techniquement, écrire n'est pas naturel pour l'être humain. Nous ne sommes pas équipés anatomiquement et cognitivement pour écrire dans toute et n'importe quelle situation. Pendant que je suis en train de rouler sur l'autoroute, je peux parler des voyages en autoroute, mais je ne peux pas écrire un roman sur les voyages en autoroute. Pendant que je suis en train de jouer au tennis, je peux parler avec la finale de Wimbledon, mais je ne peux pas écrire ou lire un livre sur la finale de Wimbledon pendant que je joue au tennis. Parce que l'écriture nous demande beaucoup plus d'efforts, nous demande l'utilisation des mains. Nous ne sommes pas nés pour apprendre à lire et écrire. Nous l'apprenons avec de l'effort, par le biais d'un entraînement artificiel, à travers des institutions qui durent 10 ans, 15 ans, 20, enfin, on finit jamais d'apprendre à écrire et lire jusqu'à la mort. Alors que la parole orale, on l'apprend spontanément, sans effort, parce qu'on est prédisposé biologiquement pour le faire. Et par conséquent, la parole orale, on peut l'utiliser dans tout contexte, dans le plan de l'action, et on peut l'utiliser pour modifier le cours de l'action, pour agir. Or, il me semble que la question de ces deux grandes théories, l'arbitraire et le symbolisme phonétique, est liée à cette différente perspective. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met dans la perspective que ça, c'est le langage, cette chose-là, qui se réfère à une réalité qui est autre, et dont la fonction principale de cette chose, le langage écrit, c'est tout d'abord de représenter la réalité. Évidemment qu'on circonscrit notre discours, on limite notre discours à un emploi très particulier du langage, dans lequel le symbolisme phonétique ne peut que devenir secondaire. Pourquoi ? Parce qu'on lit et on écrit en l'absence des événements bruyants dont on parle. Donc la relation dans les cultures écrites avec le bruit de l'action, la manière où les sons de la parole entrent en résonance avec les sons de l'action, se perd parce que ça n'a aucune fonction. Ça a une fonction décorative. Ah, je peux faire une blague ou je peux écrire un poème, c'est-à-dire reproduire à l'écrit une tradition de parole qui était originairement orale, la poésie, et qui, en tant que tradition orale, était liée aux sonorités des événements dont elle parlait. Par contre, quand nous allons voir les traditions encore aujourd'hui, les cultures orales primaires, dans ces cultures, l'idiophone, l'expressivité phonique du langage, a une importance primaire, parce que la parole sert pour agir, pour convaincre, pour modifier la situation. Et donc, le fait que les sons résonnent des qualités sensibles et émotionnelles des actions est très important, parce que ça sert à rendre vivace la parole, vive la parole, ce qui n'est pas quelque chose de décoratif, parce que pour nous, rendre vive la parole, bon, c'est quelqu'un qui parle bien, mais dans une société orale, ça veut dire faire fonctionner la parole pour son but principal, qui est celui de modifier la réalité, de changer la réalité, d'agir. Cela nous le voyons à l'origine des traditions écrites, des grandes traditions écrites, c'est-à-dire quand la culture est encore une culture orale. Platon est le premier philosophe qui nous a laissé quelque chose d'écrit. À son époque, la culture grecque était encore une culture orale, essentiellement. On commençait à écrire quelque chose, mais l'écriture n'avait pas encore conformé
la rationalité dans son... On le retrouve dans la culture orale actuelle, mais si vous voulez, on le retrouve aussi à l'intérieur des traditions, à l'intérieur dans des cultures écrites, chez les personnes moins instruites. C'est-à-dire même chez les personnes moins instruites qui ont des enfants et les illettrés, ont souvent cette représentation du langage comme d'une part d'une puissance créatrice et d'autre part comme quelque chose qui est traversé l'onomatopée chez les enfants, par exemple l'usage très large des onomatopées chez les enfants, la conviction que le langage, que la qualité des sonores des mots soit en rapport avec leur signification qu'on retrouve souvent chez les illettrés. Ça, on le sait, par exemple, Benveniste, Yems souligne souvent cela. Et par ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle, du point de vue des savants, la théorie du symbolisme phonétique c'est populaire, c'est illettré. Ce n'est pas savant. C'est pour ça qu'il y a ce mépris vers l'iconicité, vers le symbolisme phonétique. Parce que c'est le point de vue qu'ont sur le langage les analphabètes, les enfants, les cultures primitives, tous ces gens-là. Et c'est le point de vue qu'on perd à partir du moment où on devient savant. Encore plus précisément, quand on est un professeur universitaire, en moyenne, je parle, parce que moi aussi je le suis, mais quand on est un professeur universitaire, on va être d'autant plus influent pour dire qu'est-ce que c'est le langage, que notre expérience du langage se conforme à une présence majoritaire de l'écrit par rapport à l'oral. C'est-à-dire, plus je lis et plus j'écris, plus je suis influent. Donc, plus mon expérience du langage est l'expérience prédominante de l'écriture et de la lecture, plus j'ai l'autorité pour dire qu'est-ce que c'est le langage, et donc, en moyenne, cela va faire que dans notre tradition, la lignée dominante est celle de l'arbitraire du signe. Mais je pense que la situation actuellement est en train de changer pour la raison que je disais auparavant. C'est-à-dire parce que de plus en plus, nous avons des moyens de transmission, stockage de l'oral, et donc les propriétés de l'expérience orale du langage, parmi lesquelles l'iconicité et le symbolisme phonétique, vont devenir de plus en plus importantes. Merci.